Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ici on tricote. Aujourd'hui nous allons réaliser ce point. Alors il est vraiment joli, vous voyez, ça fait je sais pas comme des arêtes, c'est vraiment sympa, ou des filets, je sais pas, mais alors, vraiment il est beau. Et vous allez voir, hein, il est facile à faire. Hop, vous avez dos devant, hop. Et il rend bien. Donc si vous regardez bien, ça fait pareil d'un côté comme de l'autre. Voilà. Hop. Donc ce point se fait sur un multiple de 8 plus 2 plus encore 2 mailles lisières. Moi, j'en ai fait 8 plus 2 plus 2, donc j'ai fait 12 mailles. Alors par contre, sur celui-là, vous allez faire deux rangs de préparation et après vous partez sur 12 rangs. Donc les deux premiers vous les faites, après vous le faites plus. Voilà. Allez, on commence. Donc on va faire le premier rang à l'envers. Donc ça c'est tout au début quand vous commencez et après vous ne refaites plus ce rang là. Hop, j'ai peut-être coupé un peu court. Mince. Voilà. Donc premier rang de base qu'on fait à l'envers. Voilà, vous ne refaites plus du tout celui-là. On va en refaire un autre de base, pareil, celui-là, vous ne le referez plus du tout. Alors, on va faire une lisière, deux envers, une en droit. On fait un jeté. Une en droit, deux envers, un, deux, deux en droit, un, deux. Donc vous repartirez deux envers, une en droit et ainsi de suite. Et nous on finit le rang par deux envers et la maille lisière. Voilà. Là, c'est les deux rangs qu'on a fait. Là, vous ne revenez plus sur cela. Maintenant, on va faire comme elle se présente. Donc, c'est le premier qu'on va faire. Du coup, envers sur envers, endroit sur endroit. Le jeté à l'envers. C'est pas bien difficile. Donc, la lisière, deux endroits. Un, deux, deux envers. Endroit, endroit, envers, envers parce que c'est le jeté, envers, endroit, endroit et la maille lisière. Voilà, ça c'est le premier rang que vous avez fait. On recommence comme elle se présente pour le deuxième. Donc voilà. Toujours comme elle se présente, rien de compliqué là. Hein. Vous allez faire beaucoup de rangs comme ça, comme il se présente. Hop. Le troisième, comme elle se présente.
le quatrième, idem. Comme elle se présente. Vous voyez là, vous ne vous trompez pas trop, hein. Cinquième, comme elle se présente. Et on va faire le sixième. Alors, le sixième, on va faire une maille lisière, deux mailles envers. 1, 2. On va faire une maille en droit. Vous voyez, il y a trois mailles en droit. 1, 2, 3. On va faire la première maille. On va la tricoter. Et là, celle-là, on va la lâcher. Regardez bien. Hop, on lâche jusque-là. Et ça part pas. Vous avez vu? Vous la lâchez, celle-là. On refait une maille en droit, parce qu'il y a une maille là. On refait une maille en droit. On va faire deux mailles envers. Un, deux. Une maille en droit. Un jeté. Une en droit. Là, on prépare pour le rang d'après, pour l'autre motif. Hein. Et on finira par deux envers et une en droit. Voilà. Mais vous, quand vous allez faire le motif, à chaque fois, vous tomberez sur trois mailles. Ça voudra dire que vous allez faire en fin de compte une lisière, deux envers, une en droit. Vous en lâchez une. Vous faites votre maille en droit, encore deux envers, une en droit, un jeté, une en droit. Et vous recommencez deux mailles envers, ainsi de suite. Et à la fin, vous finissez par deux mailles envers et une en droit. Donc là, on est au sixième rang. On passe au septième. Ben, le septième, ben, tout simplement, vous allez le faire comme elle se présente. Voilà. Hop. Là, c'est des envers. Donc, vous avez 3 envers, puisqu'il y a le jeté. Ce qui vous fera tout à l'heure le motif sur celui-là. 2 en droit. 2 envers. 2 en droit. Les la maille lisière. Le huitième, comme elle se présente. On repart. Tout à l'heure, on fera le motif sur celui-là, parce qu'il y aura les trois mailles en droit. Neuvième, comme elle se présente. Dixième, comme elle se présente.
onzième comme elle se présente. Et 12e rang, on fait une lisière, donc moi je la tricote là, deux envers, vous voyez on a l'envers, on fait à l'envers, on fait une endroit, et là c'est pareil, on va décaler le motif, du coup on fait un jeté, une endroit, deux envers. Maintenant, on a les trois mailles en droit là. Du coup, on va faire une maille en droit, ce qui est logique. Hein. On lâche celle-là. Hop là. Tac, 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 tac. Et on fait une maille en droit. Et deux mailles en vert. Et la maille lisière. Voilà. Donc, en fin de compte, quand vous tombez sur deux mailles, vous faites normal, mais quand vous en avez trois là pour le motif, et eh ben vous lâchez celle du milieu, les trois endroits évidemment. Hein. Et là, vous voyez, le motif va se refaire quand vous allez être derrière là. On va la retricoter à l'envers, si bien que ça vous refera de ce côté les trois mailles. Donc après, vous ferez ici le dessin. Donc c'est simple quand il y en a trois, et eh ben quand vous avez fait tous vos rangs, le sixième. Et le 12e, c'est sur les trois mailles en droit qu'on doit enlever celle du milieu. C'est tout. Il est vraiment, vraiment très simple. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un j'aime, abonnez-vous pour ne rien louper et cliquez sur la cloche pour être informé des dernières vidéos.